Bon ben bien le bonjour tout le monde. Salut internaute. Je me suis mis un peu à l'écart du groupe de gens qui sont déjà réunis depuis à peu près 9h30 ce matin, 9h. Place devant la place. Sur la place devant Bercy, pardon. Alors Bercy, pour rappeler à ceux qui ne savent pas, nous sommes du coup à Bercy, à Paris, derrière la gare de Lyon. Donc ce Bercy, c'est avant tout ce grand bâtiment qui est en fait le ministère des Finances et de l'Économie en France. Et aussi, peut-être encore plus connu finalement, populaire, c'est aussi une salle de concert qui désormais s'appelle plus comme ça, depuis un petit moment, qui s'appelle maintenant... Arena Accor Hotel, hein, voilà. Ça aurait pu s'appeler aussi Orange Hotel ou Arena, enfin tu vois, c'est une marque qui a racheté. Donc c'est plus Bercy maintenant. Et la place devant, celle-ci, où sont réunis des gens. On va aller voir ça de plus près. Bon, les rues sont calmes. Sur Bastille tout à l'heure, parce que moi je suis venu à pied depuis un petit peu loin, c'était bien bouché, mais en même temps la place elle est plus elle est en travaux aussi en fait. Donc voilà, on y est. Il y a tout cassé une centaine de personnes pour l'instant. La marche devrait débuter à 11h30 sur un parcours déclaré en préfecture et une manifestation du coup déclarée avec un parcours pressé déclaré en préfecture par deux groupes différents. Je me permets. Merci. C'est vrai. Donc bien sûr, si vous êtes dans les coins, vous pouvez venir nous rejoindre. L'ambiance est encore détendue. Bonjour Auréal. Auréal sera encore votre animatrice sur ce live. Si elle le veut bien. Alors pourquoi on dit Jamie et pas Cémile? C'est parce que ça se dit comme ça en fait. Hein, c'est mon prénom, tout simplement, c'est un prénom turc. Et il s'écrit Cémile. Ils sont en train de faire des tests son pour le défilé tout à l'heure. Ça va? Je sais pas, on a tourné. Attends, ça va être marrant de filmer. Bon, bah, on va faire un mise en abîme. Voilà. Allez, salut. Cette vidéo. Merci à toi aussi. C'est marrant de croiser des abonnés qui regardent sur leur téléphone le live en étant sur place. La mise en abîme parfaite. Bonjour. Ça va? Merci beaucoup, c'est gentil. Tu me dis aussi t'es une tipeuse. Oh câlin alors, merci beaucoup. Tu permets à ce que ça puisse exister. Hein. Ouais, donc merci beaucoup, c'est gentil. C'est génial. Merci. Tu t'appelles comment? Marie-Laure. Ok. Tu es de Paris toi? Ouais. Ok. Bah, j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. J'espère aussi. Ouais. On verra bien, en tout cas on est là et c'est cool. Hein. Voilà. Ça commence à 11h30, c'est bien ça. J'ai vu 11h mais heureusement j'ai eu un bus pour venir. Ah t'as eu un bus toi? Ouais. Ok, ouais.
Moi, je l'ai même pas tenté, moi. J'ai pris mes jambes et puis voilà. Ouais, génial, continue, c'est super. Merci beaucoup, Marie-Laure. À plus tard, bonne manif. Bon, j'avoue, c'est quand même mon kiff hein, de vous voir comme ça en vrai et vous faire des câlins. C'est quand même agréable. Oui, merci Marie-Laure, merci beaucoup. Salut la Belgique. Je crois que le mot d'ordre aujourd'hui, ça, enfin, le centre de la mobilisation, c'est dans la suite de la grève et de la défense d'un régime de retraite solidaire. Vu les panneaux que j'ai pu lire depuis tout à l'heure, là, c'est déjà un peu la fête. Hein. Alors, Denis, peux-tu confirmer ou infirmer s'il y a des transports dispo pour repartir à Paris à l'arrivée de la manif Porte de Versailles, s'il te plaît? Eh ben, je ne peux ni confirmer ni infirmer, je ne sais pas. Je pense que tu as mieux fait d'aller regarder sur le site de la RATP pour mieux savoir. En tous les cas, il y a moyen, t'inquiète. On s'entraide. Alors oui, il y a une manif pour rappeler à les personnes qui nous rejoignent sur ce live. Nous sommes à Bercy, à Paris. Ou une manifestation déclarée en préfecture sur un parcours établi qui va aller jusqu'à la porte de Versailles, si je ne me trompe pas, débutera à 11h30. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On va prendre un peu de hauteur. Je voulais grimper sur un truc, mais j'arrive pas. Excusez-moi, ça vous dérange pas si je grimpe derrière vous. Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà, bon, une centaine de personnes, 100-150. Il y a de la place, alors on peut encore nous rejoindre. Ambiance fête du village, regardez-moi ces visages sympathiques, souriants.
9 à Angoulême, le 23 à Marseille et jusqu'au 26 décembre au théâtre de la Polo à Paris. 11h30. Et si tu restes un peu d'argent dans ton compte, n'hésite pas à participer à ma cagnotte pour mon équipe. Et si tu peux pas, ben je le comprends parce que j'ai fait des chansons. Dis à toi. Non, je pense que j'ai mis un vent à quelqu'un, mais bon, désolé si tu revois le live. Bonjour à tous, bonjour aux personnes qui nous rejoignent sur ce live improvisé comme hier, comme avant-hier, en direct de Paris, précisément devant Bercy, qui est à la fois une salle de concert, mais aussi, enfin de concert, de spectacle, etc., mais aussi et surtout le ministère de l'économie et des finances. Est-ce que le son n'est pas trop dégueu, pas trop chargé ? Bon, il se passe pas grand chose pour l'instant. Et bonjour monsieur. Bonjour. Pour vous déranger, je suis en direct sur internet. Voilà. Oui. Est-ce qu'il est possible de répondre à une question ou deux ? Bien sûr. Ok. En fait, je vois que vous tenez un visage connu, Zineb Redouane. Vous pouvez juste m'en dire un mot ou deux ? Zineb, elle a été tuée par une grenade lacrymogène lancée par la police. Sa famille se retrouve confrontée à énormément de problèmes pour obtenir justice. Ça fait un an, samedi dernier, j'étais à Marseille pour les un an de son décès. De son décès, ok. Voilà, donc c'est un exemple même de la justice aujourd'hui. Quelqu'un qui a sa fenêtre, qui ne manifestait même pas, et sur laquelle on a tiré, qui est décédé. Voilà, c'est l'exemple même. Puis ça permet de répondre aux personnes qui nous disent « Ah ouais, mais vous allez dans les manifs, vous savez ce que vous risquez. » Elle n'était pas dans la manif. Ouais. Voilà. Et pourquoi c'est important pour vous, du coup, aujourd'hui, là, de le rappeler un an après, enfin, c'est... Pourquoi c'est important pour vous, personnellement, de tenir ce portrait ? C'est quand même pas anodin, quoi. En fait, je manifeste avec son portrait depuis le mois de février. Quand les problèmes au niveau de la justice sont avérés que la famille ne pouvait pas obtenir des informations, il y a tout un tas de choses qui ont été dissimulées, tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était l'exemple même, et à chaque fois que je fais une manif,
Je viens avec le portrait de Zineb Redouane pour rappeler qu'aujourd'hui, même quand on manifeste pas en France, on peut perdre la vie et on peut pire même ne pas être reconnu dans ses droits, être obligé de se battre pour pouvoir obtenir des informations. Bon, le procès, enfin, il y a des juges qui ont été nommés au tribunal de Lyon. Espérons que la famille va pouvoir enfin obtenir gain de cause pour reconnaître le décès de Zineb Redouane. Voilà, mais ça fait un an. Ouais, il ne faut pas oublier. On entend souvent d'ailleurs le slogan Zineb, Steve, on n'oublie pas, on pardonne pas. Voilà, ouais. Sur Marseille, c'est ce qui a été scandé dans les rues samedi dernier. Il y avait énormément de monde. Et c'est assez émouvant de passer rue des Feuillants où elle habitait. Voilà, c'est l'exemple même. Donc déjà, quand on participe aux manifestations, on risque sa vie. Ouais. Donc quand on participe aux manifestations, 25 éborgnés, 5 mains arrachées, des milliers de blessés parmi les gilets jaunes, et on n'obtient pas justice. Voilà, avec l'IGN, l'immunité garantie pour la police nationale, voilà, on n'a rien. Et pourquoi tu continues à manifester alors que tu as conscience de peut-être perdre un œil, la vie, un bras, et tu continues à être là? Alors sur les revendications des gilets jaunes, je ne vais pas les rappeler parce que depuis un an. Hein. Tu sais que c'est nécessaire parfois. Moi je continue à manifester, ne serait-ce que par respect pour tous les blessés, pour les décédés, pour les blessés, voilà. Rien que pour ça, je me dis je ne lâcherai pas. Je manifesterai autant, même si je suis gazé, si comme jeudi dernier, on se prend des grenades et des encerclements, voilà. Rien que par respect pour les blessés, les décédés, je pense qu'il faut tenir. Jusqu'à ce que justice soit obtenue. Et est-ce que c'est particulier aujourd'hui parce qu'on est à la troisième jour de grève pour les retraites? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus que les 50 dernières semaines où on était dans la rue en jaune? Est-ce qu'il y a un truc de nouveau là? Ben oui, hein. Moi, à chaque fois qu'il y a une manifestation avec les syndicats et les coordinations, j'étais. Donc syndiqué, maintenant, tu es syndiqué, on vous attend. Est-ce que tu es syndiqué en même temps? Voilà, aujourd'hui les syndicats, on les attend. Alors, pas forcément les confédérations, mais les syndicats de base, les syndiqués. Ah ouais. Il y en a déjà parmi les gilets jaunes. Bien sûr. Mais allez-y les gars, samedi vous êtes en grève, c'est le moment jamais de nous rejoindre, on a les mêmes revendications. Alors allez-y, venez nous rejoindre, il y a de la place pour tout le monde, merci avec ou sans gilet. C'est vrai, merci à toi. Ton prénom c'était comment? Jean-Luc. Jean-Luc, enchanté. Et Jean-Luc. Merci pour le boulot. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Bah, du coup, tu sais où retrouver la vidéo alors. Bah oui. Voilà. Merci Jean-Luc, c'est gentil. Merci. Bonne manif à toi. Bon courage. Merci. Bon courage à toi. Ah, on a croisé un super Jean-Luc. Hein. Bon, il y a quelques journalistes. Ici, on a l'AFP. Là, on a RT. Voilà, c'est habituel. Hein. Bon, les CRS débarquent en plus nombreux. Bonjour. Ça va? On se connaît ou pas? Non, mais je te vois souvent. Ah oui, je demande du coup. Voilà, c'est mille et tout ça. Ah, c'est gentil, c'est cool, ok. Bonne manif à vous. Hein. Merci. Ah bah c'est le défilé hein. Est-ce que vous avez bien réussi à entendre la voix du monsieur de Jean-Luc qui répondait à mes questions? Est-ce que vous avez bien entendu? Ou alors je mets un micro. Ah super, c'est super. Ce téléphone est vraiment super bien. Je suis content. Un monde européen. Comment tu sais que j'ai le même téléphone que ton homme? Ah merde, je suis mal poli, je vous ai même pas dit bonjour comme ça. Voilà, désolé. Bonjour. Voilà. Alors je vais lire vos messages en attendant.
Bon bah il n'y a pas beaucoup de messages à lire. Jaloux de la barbe, putain, regarde-moi cette merde. Mais si j'arrête pas ça, tu vois, et après je vais directement en taule. Hein. Je t'avoue, à un moment donné, il y a une limite, c'est comme la jupe pour les femmes, tu sais. Il y a une limite où c'est une pute ou pas, hein, selon les codes. Et ben moi c'est pareil pour le terrorisme. Tu vois. Ah quel monde. Alors. Voilà, bon bah bonjour à tous, hein, aux personnes connectées. Nous sommes un peu plus d'un demi-millier. Nous sommes devant, devant Bercy, je le répète, hein, pour ceux qui arrivent. Et alors Bercy, hein, la salle qui est derrière nous, mais aussi et surtout le ministère des Affaires étrangères, puisque c'est le ministère de l'Économie et des Finances. Je suis un peu fatigué le garçon quand même, tu vois. Et voilà, et ici va débuter une marche pacifique et déclarée et, en préfecture par deux groupes de gilets jaunes différents jusqu'à la porte de Versailles et ça débute à 11h30. Voilà, voilà ce que j'ai comme information à vous dire aujourd'hui. Vous êtes gentil, hein. Voilà, donc il n'y a pas de... Eh ben non, c'est même pas un Fairphone que j'utilise là. Je vous le dis, hein, je suis honnête. Hein. Je sais même plus c'est quoi comme téléphone, mais c'est pas un Fairphone. Malheureusement, il est bien sur plein de choses, mais il peut pas m'aider pour les lives, etc. Il tient pas le coup pour commander mon drone, et ça marche pas. Et là, la batterie ne tiendrait pas plus de 30 minutes, ce serait un peu relou. Mais sinon, c'est très très bien. C'est lequel les 7 8 celui-ci. C'est vrai quand tu fais un panoramique, ne va pas trop vite. C'est vrai que ça peut vous donner mal à la tête ou envie de vomir si je vais trop vite avec les... Eh ben voilà. Oui, j'ai fait un petit peu la fête hier soir. C'est pour ça que cette tête-là. Enfin, la fête. Un petit peu bu. Voilà. Merde, hein. Bon ben voilà, je vous laisse profiter des autres choses que de cette tête. Et à tout à l'heure, hein. Voilà. Bon. Parfait, le son est encore bon. Parfait. Bon bah ben, du coup la place se remplit un peu plus. Il y a surtout un arrivage de policiers. Plus qu'autre chose pour l'instant. On peut aller parler. Ah, je sais, je suis désolé. Mais le coup du chewing-gum, c'était vraiment nécessaire en partant ce matin. Ah, mais il y a aussi le café qui est plein de gens. Ouais. Ah, c'est vrai que les gilets jaunes détruisent le commerce. Regardez-moi ça. Tous ces gilets jaunes violents. Qui cassent des vitrines. Et qui font perdre des chiffres d'affaires des commerçants. C'est scandaleux. Solidarité avec toi, Louis. Exactement, Stéphane. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit ce matin. J'ai dû partir en courant. Bonjour, est-ce que je peux vous déranger un petit peu? Ouais, vas-y. Voilà, en fait je vous vois à la télé. Alors on est en direct sur une chaîne YouTube qui s'appelle J'ai mille choses à te dire sur internet. Donc je vous montre l'écran, ah, vous voyez. Ouais, et alors? Et j'aimerais bien vous poser une question ou deux, ça vous dit?
Ça vous va? On peut discuter? Je sais, mais en fait voilà, la réflexion que je me suis fait tout à l'heure en voyant tous ces gilets jaunes en terrasse de café, alors qu'on a plutôt l'image d'un gilet jaune qui casse les vitrines, des vitrines, des cafés, voilà. Voilà, exactement. Vous n'avez pas honte d'être des barbares quand même là, installés? Je suis fier d'être barbare, je suis gilet jaune et je suis barbare. Voilà. Voilà. Mais n'empêche, plus sérieusement aujourd'hui là, est-ce qu'il y a un côté nouveau à notre présence, à votre présence, parmi peut-être des grévistes avec les retraites qu'on défend? Ou alors ça fait un an et ça n'a pas changé? Gilets jaunes, défense des retraites. Ouais. Et c'est la plus grande arnaque de Philippe dans ce siècle. Il n'y a pas plus grande arnaque que le retraite, le projet de Macron pour les retraites. Et tous ces perroquets, il faut qu'ils se barrent. C'est des bla bla bla. Et on n'a pas besoin d'aller beaucoup à l'école pour comprendre ce qui se passe. Alors Castaner en prison, Philippe Poivre, Macron dégage. Alors moi, c'est clair. Par rapport aux retraites, pourquoi il dit, Castaner, qui maintient la retraite pour les agents de police, là, les policiers, si cette retraite est inégalitaire, si elle était soi-disant mieux, pourquoi il maintient maintenant pour les policiers? C'est vrai que le discours ne tient pas, si que le discours de fond... Alors, il nous dit que leur discours, c'est une retraite pour universelle, pour tout universelle, le monde, voilà. Pour que ça sera mieux pour tout le monde. Mais sauf pour la police. Ouais. Sauf pour la police. Alors, ça veut dire que pour la police, ça sera moins bien. attendez, si on raisonne comme eux, donc c'est du grand n'importe quoi. Ils nous prennent quand même pas que pour des... Hein. Je peux passer un message chez vous. Bien sûr, bien sûr. Je peux passer un message? Bah dites-moi, allez-y, ça s'adresse à Madame Macron. Okay. Elle est de mon âge, elle est retraitée, elle est nourrie, logée, blanchie. Pourquoi elle ne donne pas sa retraite au petit frère de pauvre ou sécure catholique le temps qu'elle est locataire de l'Élysée? C'est une proposition qu'elle devrait étudier. Je fais une proposition. C'est pour la retraite des profs, c'est pareil. Il dit que pour la retraite des professeurs, hein, des instituteurs, tout le monde enseignant, il va leur augmenter le salaire pour compenser leur retraite qui risque de perdre. Donc c'est vrai que les retraites qu'il met en place, ce n'est pas une égalité, c'est pas du tout une égalité. Et on va tous y perdre, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit le privé, tout le monde va y perdre. Ou alors peut-être que c'est joué sur les mots, c'est effectivement une égalité, mais par le bas, et on sera également tous pauvres. Bah, sûrement c'est par le bas, parce que de toute façon, vous savez que pour les femmes déjà, il y en a qui avaient 8 trimestres par enfant, et d'autres, je crois, 2 trimestres, je ne me souviens plus très bien là le nombre. Mais maintenant, plus personne n'aura rien. Alors, ça, c'est égalitaire, hein, je ne m'y connais pas. Et peut-être par curiosité, si c'est pas indiscret, le métier que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu es salarié? Tu es dans le privé public? Moi, je suis retraité. Tu es retraité. Mais moi, retraité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me mettre ma retraite, il va me la mettre, il ne pourra pas me la baisser là dans l'immédiat. Oui. Donc, il va la convertir en points. Mais quand je serai en points, quand le point il va baisser, ben, je vais faire comme tout le monde, je vais baisser. Donc, effectivement, il va toucher à ma retraite. Voilà. Donc, c'est un mensonge supplémentaire de la part de Macron, puisqu'il a dit je ne retoucherai pas aux retraites des retraités. Ben, c'est pas vrai. Une fois de plus, c'est un mensonge. C'est un manipulateur et un menteur. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Déjà, ces deux défauts-là, moi je les ai bannis dans mon éducation. Merci à toi, c'est gentil. Et autour de vous, parce que vous êtes toutes les deux retraitées, est-ce qu'autour de vous, des gens, des actifs ou des actives, oui, sont aussi mobilisés? Il y en a beaucoup. Il y en a qui vous rejoignent là. Il y a beaucoup. Et en France, il y a une misère terriblement cachée. Et c'est la pire. Et de toute façon, la France, elle est belle. Elle a 66 millions. Elle ne dit rien. Elle sait. La France, mais les jours où la France, elle se met en colère. Et quand elle sort, c'est fini pour tous ces perroquets. Terminé. Terminus. Vous l'avez fait la manif, là, il y a deux jours? Moi, j'étais. Je n'ai pas manqué une. Bravo, bravo. Et j'irai jusqu'au bout. Et même si un gilet reste dans la rue, je serai la deuxième. Mais de toute façon, je crois qu'il y a un monsieur de la Moselle qui l'a dit tout au début là, des manifestations. Vous avez ouvert la boîte de Pandore, vous ne savez pas quand elle va se refermer. Vous avez mis le monde dans la rue, vous ne savez pas quand ils vont rentrer. Et je pense que ce monsieur avait bien vu la chose. Moi, je ne le voyais pas comme ça, mais lui, il avait déjà bien analysé la situation. Je ne sais pas si vous en souvenez, le monsieur de Moselle. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ce monsieur-là, je me suis appuyé de son nom. Hein. Et il a entièrement raison. Voilà. Alors, Caramé, ça, vas-y, fais-toi plaisir. Je vous dis,
ce que je voudrais dire sur LCI, ouais. J'ai écouté Madame Bachelot, celle qui a commencé à massacrer les hôpitaux. Elle fait son perroquet, sa star sur LCI, elle n'a pas honte. C'est vrai qu'elle a, elle a réussi une certaine transition. Elle a, voilà. Et c'est elle qui a commencé. Cool, hein. Regardez les hôpitaux où ils sont. Regardez les hôpitaux psychiatriques qu'elle a fermés, les lits, que les malades sont dans la rue. Ils ne peuvent même pas se soigner. Et la retraite, là, le Macron et sa bande de copains et Bayrou. Ah, Bayrou. Bravo. Mais ils vont dégager. Et Bayrou, ils ont fermé les hôpitaux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les malades, ils sont dans la rue. Ouais, on voit, dans on la voit. Rue. Ouais, oui. Les malades, surtout la psychiatrie, qui sont en danger d'eux-mêmes et en danger des autres. Et là, madame, comment elle s'appelle, Bachelot, qui parade sur LCI, qui donne des conseils aux cheminots. Qu'est-ce qui... Ah, vive le cheminot, parce que sans cheminot, il n'y a rien. On le voit, on le voit aujourd'hui. Hein. Vous le soutenez On soutient à vous cheminots. Vive le cheminot. Vous dites ? Vous êtes de Montpellier. Alors non, j'étais à Montpellier pour une manif. Vous n'habitez pas Montpellier ? Non, mais on croit que j'habite partout en même temps. Mais alors que non. Je croyais que vous avez vu, j'avais vu une de vos vidéos et je croyais que vous habitiez Montpellier. Eh ben non, j'y étais, hein, comme là je suis à Paris, mais en fait j'habite à côté de Genève. Non, non, j'habite en Haute-Savoie. Vous êtes en Haute-Savoie. Exact. Et encore un message, tu coupes ce que tu veux. Ouais, ouais. Les Martinez, là. Oui. Les moustaches. Je ne l'ai pas trouvé sexy, mais maintenant je le trouve très sexy. Et j'aime ces moustaches. Merveilleux, merveilleux. En tout cas, on s'amuse bien, c'est super. Mais là, vous vive avez. Le cheminot. Vive les cheminots. Ouais. J'ai pas de carte, mais si tu as une les connexion internet, il faut noter et je vais écrire. Les prioritaires, ils travaillent. Ah, j'ai encore une proposition. Ah, vas-y, profite. Je vous le tiens. Alors. Vas-y, j'ai. Ah, la dernière. Vas-y, on t'écoute. La dernière. Je parle. Ouais. Alors, la dernière proposition, étant donné qu'elles disent que les cheminots, les métros, c'est des privilégiés, alors moi, j'ai une solution. Dans, en dessous des métros, il y a des bureaux vides. Eh bien, on fait des bureaux et on loue aux députés macronistes. Et ils verront ce que c'est travailler en dessous de terre. Et l'Élysée, on le loue, on fait un musée, on touche de l'argent. Et t'as lui, on met les bureaux super. Perroquets macronistes, on met en dessous des métros. Non, mais est-ce que aussi sur les lumières, les retraites. Et on loue un euro par mois. Voilà. Et moi, je me demande si la retraite des hauts fonctionnaires, des députés, des sénateurs, est-ce que là, ça va être égalitaire? Ils vont être comme nous ou ça va se modifier là que... Attendez, Non, la retraite, c'est autre chose. Je pense, Mais ça, c'est pas des avantages. On va me donner un autre nom, je sais pas. C'est des privilèges, c'est autre chose. Ah, c'est des privilèges. Voilà. Et moi, je voudrais savoir la paye de Madame le Gilles Legendre, là, qui vend les bijoux. De peuple français là qui est en train de liquider et de vendre le jeu de je sais pas quoi, c'est la femme de Gilles Legendre qui est là-bas. Ah là j'ai pas subi ça. Non. La femme de Gilles Legendre, le député macroniste. Ah ok, ouais. C'est elle qui est nommée pour liquider à la Française des la Jeux. Française des oui, Jeux. Oui, oui, je alors j'aimerais bien savoir combien elle touche. Il faut signer l'ADP. On a tous signé. Là-dessus, en tout cas, on a tous signé. Alors nous, on est à fond dessus. On le fait dans notre ville. On prend des rendez-vous avec les maires. Et notre oui, on Philippe, installe c'est le plus grand de monde. Comment on appelle ça des... Et arnaqueur de siècle. Mais vous venez d'où d'ailleurs, toutes les deux? Seine-et-Marne, moi. Seine-et-Marne. Et toi? De qui? Tu viens de où? Tu habites Paris ou tu viens d'ailleurs? Je suis française. Oui. Je suis née en étranger. Mais je suis... Je suis d'origine française. Oh, mais de la ville, je parlais de la ville, à moi. À Paris. C'est une... Tu joues à domicile aujourd'hui. Paris. Si je suis toi. Ouais, et toi, tu es d'où? Et Philippe. Pantin. Ah oui, donc c'est à côté de Paris, ouais. Et moi, je viens du centre de Paris et je voterai jamais pour le Griveau, là. Ah. Jamais. Les menteurs, les perroquets, les voyous. Oui, d'accord. Non, mais l'ADP, il faut vraiment signer l'ADP. Hein. Vraiment, si vous pouvez faire passer ce message-là, signez l'ADP. On a obtenu les 1 million, là.
Et pourquoi du coup comme ça, d'un coup tu t'en fous? Est-ce que tu as toujours été aussi engagé politiquement? Je n'ai jamais été dans aucune partie. Okay. J'ai toujours voté, j'ai connu vice-président depuis que je suis là, ça fait 54 ans. Je ne me suis jamais mêlé des politiques. Ah, c'est nouveau. Mais les jours où j'ai vu qu'il a envoyé, j'habite à côté des gardes républicains au Paris 2, que j'ai vu qu'il a envoyé les chevals avec des chiens sur son peuple, première manif quand ils ont gazé les Champs-Élysées. Oui. Je suis sortie, j'ai acheté un gilet jaune et je n'ai jamais bougé. C'est donc ça, cette violence qui t'avait sorti ouais, en fait. Ouais. C'est des voyous. Oui. Et en France, il y a des gens, il y a des misères cachées, il y a des gens qui c'est ne mangent pas. Merci, café. Non, t'as raison, bien sûr, bien sûr. Vos prénoms, c'est comment? Donc, je vous laisse, du coup. Hein? Ton prénom, c'est comment? Maya, M-A-Y-A. Maya, et enchantée, Maya. Et j'habite Paris 2, au centre de Paris. Et bon, qu'on vient me chercher. Et Philippe, là, il me rappelle un autre Philippe. Il a un bon nom, Philippe. Mmh. C'est des voyous. Mais oui, je comprends ce que tu dis. C'est des voyous. C'est les plus grands voleurs en gants qu'ils ont volé, pillé le peuple français et qu'il faut qu'ils dégagent. Apparemment, ils travaillent. La violence est inacceptable. Cette violence-là, la violence de la base. Qu'est-ce que c'est que ça? Interrompt la réforme. Ils sont créatifs. Voilà. Merveilleux, j'ai tout prévu pour l'enterrement de la réforme des retraites. La réforme des retraites. Bayrou, c'est super. Balkany, Castaner, à même cellule ou santé, ils vont jouer aux cartes. Non, au poker, au poker. Bravo. Bah merci tous les trois. Donc Maya, Maya, je t'embrasse, j'ai envie de t'embrasser. C'est beau, Maya. Génial. Tu t'appelles comment toi? Mireille. Alors, bah, au plaisir. Et toi, c'est comment? Corinne. Corinne, mardi, ça recommence. Hein. Mardi, on sera là encore. Ouais. Moi, j'irai sur Lyon mardi pour le coup, je pense. Ah, ouais. Et toi, c'est comment? Didier. Didier, c'est vrai. On m'a dit tout à l'heure. Bah, bonne manif tous les quatre. Merci. Vas-y. Bah, tu es magnifique là, regarde. T'as carrément tes fleurs pour enterrer à la fin des retraites. C'est bien, magnifique. Allez, bonne manif, vous quatre. Merci. Ciao. Eh bien, extraordinaire quand même cette rencontre. J'ai le nez, hein. Bon, entre-temps, la place s'est remplie. Un peu plus. Allons prendre un peu de hauteur pour se rendre compte de choses. Alors, bonjour aux nouveaux arrivants. Nous sommes un peu plus de 800. Je vais grimper par là. Excuse-moi. Ouais, ça a peut-être doublé, peut-être triplé maximum. Salut tout le monde. Pour les nouveaux arrivants, nous sommes du coup à Paris-Bercy. Bonjour. Salut. Comment tu vas? Bien et toi? Bah pareil, je suis content de rencontrer les gens en vrai. Bah ouais, écoute, ça fait plaisir. Tu t'appelles comment toi? Linda. Linda? Ouais. Bah enchanté Linda. T'es de Paris toi? Ouais. Bah tu viens, c'est bien, t'es chez toi. Voilà. J'ai plus l'impression d'être chez moi. Ah ouais? J'ai l'impression que j'ai plus le droit de rien faire, tu vois. Mais là, bon, c'est pas blanc partout. C'est déclaré, c'est censé. Bon, on sait bien que c'est pas que ouais. Déclaré ou pas. Ouais. Mais j'en vois qui sont postés de l'autre côté avec des armes. Ah bon? Hein? Tu vas à l'entrée du pont et un petit peu plus loin, t'as une autre corde de CRS ouais. Armée. Mon dieu. Avec des espèces de fusils noirs, tout ça là. Ok, bon bah ma foi, on va s'amuser, ça va être sympa. Bah oui, on est dangereux. Ça fait combien de fois que tu manifestes ce soir en jaune là? Oh là, je l'ai compte plus. Ouais. Ah, je l'ai compte plus. Depuis quasiment le départ et t'as pas arrêté? Bah, carrément. Ouais. Carrément. C'est pour moi la meilleure chose qui soit arrivée à cette France qui était en train de dépérir et de se laisser endormir. Depuis longtemps, nous on disait attention, regardez ce qui se passe en Grèce. Ouais. Et il faut se soulever. Je fais partie de la complotosphère, tu sais, ce qu'on appelle. Oui, les complotistes qui voient le mal partout. Ceux qui voient le mal partout, ouais. Le nouvel ordre mondial, tout ça. Alors que quand même, le mal, il est quand même partout, en fait. Mais évidemment, à partir du moment où tu ramènes ça à une réalité, tu te rends compte que quand même, on est... On se moque de nous. Je comprends. C'est la nature de payer de plus en plus. Et
en attendant, ils se croient des privilèges. À un moment donné, il faut avoir du bon sens. On n'est pas obligé de sortir de l'ENA ou d'une grande école pour le comprendre. Enfin, tu le lis tous les jours dans les journaux. Tu le vis aussi. Mais en oui, fait, tout ça, on le vit. Évidemment. Là, on nous parle dans la fonction publique, on nous parle de pluridisciplinarité. Toi, tu travailles dans la fonction publique, tu travailles dans quoi? Ouais, dans la fonction hospitalière. Ok, hôpital. T'as réussi finalement à te libérer aujourd'hui? Comment tu fais pour t'organiser? Je travaille pas aujourd'hui. Est-ce que tu fais grève? Bah, j'aurais aimé, mais. Parce que je sais pas, tu fais quoi du coup à l'hôpital? Vendredi, ouais. J'ai travaillé. Ok. S'il fallait être là? Bah, bien sûr, l'hôpital, c'est très compliqué. Là, moi, je suis dans un domaine de l'administratif, je m'occupe des patients étrangers. Ok. Ils ont aussi besoin de nous et je ne veux pas jeter la pierre, mais il y a un gros problème à ce niveau-là. Je comprends tout à fait. Il y a un gros problème à ce niveau-là. Il y a énormément de flux migratoires, de patients qui viennent se faire soigner parce qu'ils ne peuvent pas se faire soigner chez eux. Et d'autres qui trichent, beaucoup. Bon, ça, après, c'est pas à nous de le réguler. Hein. C'est nous, t'as des humains, tu les soignes, et voilà. Oui, voilà. Je comprends. Bien, ma foi, Linda, j'espère qu'on va se recroiser sur le chemin. On n'est pas très nombreux là, hein. Ouais, non, mais regarde là-bas. Oh, y a ça arrive par là-bas. On sera à l'heure, tu vois, on va être à 11h30. Tout le monde va débarquer en temps. Ouais, non, c'est excellent. La grève a quand même permis à ceux qui étaient en corset kit de sortir. Ouais, de sortir. Je me rends compte qu'il n'y avait pas que les gilets jaunes, parce que gilets jaunes, ça a été tellement martelé, violence, gilets jaunes. Et les gens se disaient non, je vais pas y aller, j'ai peur. Mais là, il y a eu la grève. Et la grève a fait que les gens, en regardant ça, en se disant merde, il n'y a pas que les gilets jaunes, quoi. Il y a quand même un problème quelque part. Il n'y a pas que les rouges, il n'y a pas que la CGT, il n'y a pas que les gauchistes. Bien sûr. C'est tout le monde qui est concerné. Il y a le peuple dehors, tout simplement. Exactement. Voilà, donc il faut vraiment dire non à cette monarchie oligarchique. Il faut dire non. Non. On est français, on est des francs, on est des hommes libres. Donc il faut se battre. Et s'il faut en perdre, j'ai peur de dire ça, mais s'il faut en perdre la vie, à un moment donné, voilà. C'est fort quand même d'en arriver là. Est-ce qu'il y a un an, tu pensais que dans un an, on en serait là, dans la rue? Dans un an, je me disais, mais mon Dieu, les gens sont endormis, qu'est-ce qui se passe? Je te dis, nous, on se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Déjà en 2017, quand Macron a été élu, on a prévenu tout le monde, enfin, sur les réseaux sociaux, bah ouais. sur YouTube. On leur disait, mais réveillez-vous, on a pas élu un gentil, hein. On nous a mis l'épouvantail Marine Le Pen pour nous faire peur. Ouais. On nous refait le même coup. On prépare encore là. Oui. Et les gens ont pensé qu'en votant Macron, c'était le sauveur, c'était le nouveau Kennedy. Mais non, il n'y a pas de nouveau Kennedy. C'est ce type-là, il travaille pour des maîtres. Il a un agenda, il a un projet. Et il faut que ce projet soit mené à bien. Et il fera tout pour ça. En ce moment, ils critiquent beaucoup l'OTAN, mais c'est pour former une armée européenne et une police européenne. Ben, y a tout ça, et gentiment amener, tu vois, les droits sociaux vont être supprimés. On va nous gentiment mettre ça, essayer d'arranger chaque corporation. Tu vois, il va faire en sorte de discuter. Mais si c'est tellement bien, si c'est tellement universel, pourquoi le faire tout de suite? Mais non, on va discuter, on va arranger, on va essayer. On va noyer le poisson, on va faire en sorte que, voilà. On va créer un système d'entonnoir et finalement tout le monde va rentrer dedans. Mais c'est tellement à une échelle tellement grande que les gens ne s'en rendent pas compte parce que c'est trop grand pour eux. Il voit midi à 14h chez eux. Bien sûr. Et c'est naturel. Mais oui. C'est difficile tout ça, bien on sûr. On aimerait bien, nous, aller s'amuser, acheter des cadeaux, fêter Noël, être heureux. Je vois des sapins partout en France. Et heureusement qu'il y a encore des gens positifs qui pensent encore à faire la fête, à penser les fêtes. Parce que toi, Noël, tu penses plus ça. À faire la fête, t'es plus heureuse? Non, je vais aller voir ma famille, moi, à Noël. Je vais aller voir ma mère, elle vit toute seule. Mais qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui différencie de toi, là, par exemple, et tes camarades, et nous, de ces gens que tu décris, là Bah, c'est des gens qui... Alors, soit ils ne se sentent pas concernés par la politique, ils ne veulent pas se préoccuper de ça, et pour eux, c'est trop complexe, c'est trop... C'est, euh, c'est,
c'est trop grave. Certains disent même que c'est des dimensions trop, trop basses pour eux, et donc ils préfèrent penser positif, penser voilà. Et tu as ceux qui s'en foutent totalement, hein, qui veulent profiter. Et puis tu as ceux qui soutiennent ce régime, soutiennent cette politique. Consciemment, ils sont. Consciemment, eux, et qui sont. Oh, attention, Linda, ça arrive derrière nous. On va devoir commencer à manifester. Allez, on y va. Bonne année, Linda. Merci. À plus tard. Anti-capitaliste, anti-capitaliste, anti-capitaliste.
anticapitaliste, anti-anticapitaliste, 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 anti-anticapitaliste. Macron démission, 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 Macron démission,
démission, Macron, 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 démission, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, Hello.
frappe, ma peur ou quoi? Dis donc.
un parcours déclaré. Mais c'est bizarre qu'un parcours déclaré, il y a encore la circulation du garde dessous. Ah ouais, tu m'étonnes. Les gaz, tout le type de répression est criminel, parce que c'est une répression criminelle. À partir du moment où tu mutiles et tu étends des gens, je suis désolée, c'est une répression criminelle. Oui. On leur donne des moyens disproportionnés, et on ose nous dire, allez regarder ce qui se passe dans d'autres pays, notamment la Chine, etc. Attends, faut stopper un peu apparemment. J'ai envie de te dire, on peut se prendre au pays de l'Union Européenne, pas au pays de... Oui, bah non, faut comparer, c'est comparable. Latine, etc. Faut se comparer à l'Angleterre et à l'Allemagne, notamment qui n'utilisent que le bâton de défense dans le maintien d'ordre. Contrairement à nous en France, où on est le mauvais exemple, puisque la Chine s'est inspirée de la France, notamment dans l'interdiction du masque. Oui, on l'a vu, bien sûr. Mais aussi au Chili, où il y a un député qui a fait référence à Macron, etc. Bien sûr. Voilà. Qui aurait pu croire un jour que la France servirait d'exemple aux dictatures. Incroyable. Ouais, c'est vrai. Fais attention à toi, d'accord? Parce que ouais, de pas trop. T'es habitué à écrire dur maintenant. Vraiment leur casser les oreilles qu'ils vont rentrer chez eux avec la migraine. Essaye d'avancer un peu plus. Attends. C'est moi. C'est étonnant parce que le parcours est déclaré depuis en préfecture depuis suffisamment longtemps, un mois quoi, et la circulation n'a pas été coupée. C'est nous, on fait le rythme, qui se fait dégager. Le parcours n'est pas est déclaré, pourtant la circulation est ouverte. Attends, il y a Maya là-bas. On les laisse partir. Faites dans cette espèce. Ils demandent de mettre tout chez nous et nous empêchent de les... Laisse nous faire, hein. Vous avez pas les balances, nous, on va faire le travail. Qu'est-ce qu'on fait si vous voulez les chansons? Bonjour monsieur, excusez-moi, normalement le parcours étant éclairé, est-ce que la circulation est normale et c'est normal que ce soit encore possible? Ils veulent qu'il y ait de l'énervement pour qu'il y ait de la violence. Bonne journée, bon ben voilà. Il était très concentré dans sa marche. Pardon monsieur l'agent, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je crois que c'est déclaré cette marche, c'est ça hein? Elle est déclarée le parcours aussi. Vous savez pas, ok. Je sais pas si mais je crois qu'elle l'est. Ok d'accord. Parce que la circulation du coup ouverte, ça fait bizarre quoi. Ouais, vous découvrez. Ouais. Ouais, je comprends bien. Merci monsieur. Elle est déclarée. Ouais, mais elle est déclarée, pourtant, quand c'est déclaré, le parcours devrait être sécurisé d'avance, tu vois. Il n'y a pas de voiture, etc. Non, mais là, c'est en fait, mettre sur une demi-chaussée. Faut bien aller. Ah oui, c'est une demi-chaussée, ok. C'est pas normal que là, on est 50 potes de col, les gens vont pousser, ça va partir en couille à cause de ça. Ouais, ok. Là, c'est à bloquer la route, on est habitué. C'est ça. D'accord, c'est donc une demi-chaussée, c'est vrai qu'ils le font parfois. Oh!
Allez, on la lance. On la laisse, bref. Qu'est-ce qui se passait? Les médias, là, ils vont être contents. Mais non, mais ils savent pas être contents, les médias, par votre carte de vœux, ça m'énerve. Fermez vos yeux, on s'en fout. Mais c'est elle qui commence, c'est elle qui a un égo de merde. Ouais, c'est vrai qu'on devrait s'en foutre. C'est vrai. Mais tu t'exprimes, t'as raison aussi, hein, c'est vrai. Mais vas-y. Soyez plus intelligents. On peut arrêter, ramène tout, la vie de aïe aïe aïe, c'est tendu parfois. J'avais pas vu ton visage. Tu l'as vu le moment? Ouais, j'ai vu, ouais. C'est beau, hein? Exactement, magnifique. Je te ferai un petit truc tout à l'heure si tu veux, je sais pas. Hein? Avec plaisir, carrément. Tout à l'heure à la pause, s'il y a des pauses. Il y a des pauses? Ah oui, ils font des pauses, ils arrêtent. Merveilleux. Bah, alors à la pause. Les mecs, ils ont envie de dire quelque chose, ils peuvent dire quelque chose. Parfait. Avec toi, on peut dire quelque chose, c'est l'avantage. Ouais, c'est vrai. Mille même. Les caméras, elles sont muettes. Là, ils sont là pour les images. Voilà, c'est parfois, ça. Voilà, voilà, c'est ça. Moi, tu expliques pourquoi Vincent aurait pu le truc d'enlever son gilet. Excuse-moi, pardon. À tout à l'heure, alors. Hein. Arrêtez! Un monde meilleur! C'est du français, non? Un monde meilleur! C'est du français, c'est pas du chinois, c'est pas de l'arabe, c'est du français! Un monde meilleur! C'est pas la France! Ça nous dépasse! Les gilets jaunes sont dans le monde entier! Et rejoignez-nous! Bon, vous êtes toujours là, apparemment, ouais, toujours 1004 connectés. Vous êtes fidèle au poste. Elle est où, Charpa? Elle est où, on va en chercher avec cette...
moment là, il n'y a pas de, comme d'habitude, il n'y a pas de, de choses prévues. Je filme ce que je vois de l'intérieur, de l'extérieur. Je vous emmène avec moi, comme d'habitude, quoi. Bon, ben, les policiers ont mis leur casque. Ça semble pas bon. J'espère que ça se passera bien jusqu'au bout. Et on a 9 km à faire. Ça use les souliers. Je vous dis quand même bonjour, face à face, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Alors, nous sommes au bord de la Seine. Je sais plus, je crois que c'est le quai d'Austerlitz. Sur le quai d'Austerlitz, je crois que ça doit être ça. Parce qu'à un moment donné, on va tomber sur la gare, je crois. D'Austerlitz. Et nous sommes partis de Paris-Bercy. Sur une marche qui est déclarée en préfecture deux fois par deux groupes différents et qui se terminera à porte de Versailles dans le sud de Paris à l'autre bout là-bas, dans 9 km. Voilà. Et ça fait 1h20 que nous sommes en live ensemble. Il n'y a pas tant de monde que ça, à vrai dire. 200, 300 personnes. Ça vient vraiment dénoter avec les centaines de milliers de personnes présentes uniquement sur Paris. Il y a deux jours, mais ça doit être explicable de plein de manières. Quand tu n'es que en gilet jaune, tu es bien plus vulnérable qu'avec des syndicats et autres citoyens dans une masse énorme comme avant-hier. Donc beaucoup de gens doivent avoir peur de sortir désormais le samedi. Et c'est vrai, hein, c'est même pas... Beaucoup de monde doit avoir peur, non, j'ai des tas de témoignages, j'ai écrit et parlé de gens qui me le confient. Voilà, donc c'est une vérité. Voilà, bon ben, je vais rebasculer la caméra pour vous montrer autre chose. Regardez le monde. Ouais. Heureusement qu'il y a des grèves de métro, parce que s'il n'y avait pas de train de métro, alors là... Hein ? Bon, il y a quand même du monde, en fait. Les médias qui disent que le monde blanc n'existe plus. Qu'est-ce qui n'existe plus ? Les médias qui disent que le mouvement est essoufflé et n'existe plus. On l'entend toujours à la télévision, ça. Mais regardez aujourd'hui. Bah, le mouvement s'essouffle depuis sa création, normalement. Non, il s'essouffle pas, vous inquiétez pas. Bon, quand même, en toute honnêteté, il y a quand même un peu moins de monde et il y a une raison, oui, la peur peut-être de se faire harceler, de se faire agresser. Non, c'est le gouvernement qui s'essouffle, c'est pas les gilets jaunes. Aujourd'hui, il y a quand même les grèves de transport, tout ça, donc c'est difficile pour venir sur le point de départ. Donc, oui, c'est vrai, quand même le monde qu'il y a. Donc Macron, il doit avoir des sueurs froides. Hein. Et vous venez de loin, vous venez de loin d'ici, vous êtes venu à pied en voiture, vous ouais, êtes venu comment? De Toulouse, je suis venu à pied. Ah ouais, non, je pense pas. Quoique, très motivé. Ouais. Non, du coup, vous êtes là depuis plusieurs jours. Vous avez participé à la grève d'avant-hier. Oui. Ouais, super. Donc Macron, il va avoir des sueurs froides. Toulon. Toulon et Montpellier, génial, merci, super. Il doit avoir le trouillomètre à zéro, Macron. Merci. Ah, t'es à côté. T'es à côté, 117. Effectivement, la gare d'Austerlitz. C'est tout droit normalement. Donc ça veut des sécurités hein, qui prouvent bien que la manif est bien éclairée et organisée. Quoi pas hein. Qu'est-ce qu'ils ont scandé là, j'ai pas entendu. Mort à la dette. Bah c'est bien aussi, la dette c'est pas. Mort à la dette, oui. On est tous riches. C'est terminé, il n'y a plus besoin de revenir sur les conneries, de rembourser, de machin. Comme si avant. Mais du coup on a plus de laisse alors, t'as plus de laisse en plus, y'a plus de dette. C'est dommage. Je veux pas les laisses. Debout, sous les toits, Paris, debout. Soulève-toi, la rive, debout, soulève-toi,
Donc, petite visite de Paris, ici tu as, c'est quoi ça? Le quiz, c'est quoi ça? Ça, il fait chaud en fait. Je range tes choses à faire dans mon sac. Y'a pas de pierre aujourd'hui ou quoi? Allez là! Ah! Moi je vois. J'ai dit à la mort, je suis dans le film. Oh là! Grenade! Il a mis la pierre, il a dit grenade! Sentez-la! On l'a attrapé! Si on arrive, on déstabilise 1, on déstabilise 10. Voilà. La réponse était la gare de Lyon. Ah, ils ont pété au bout. Si tu savais, t'arrêtes pas pour moi, tu savais. Avec des corps, La vérité et la justice sont le garant de la valeur de la nation. Eurial, est-ce que tu es toujours là en train de modérer ou pas? Donc la gare d'Austerlitz à gauche. Merci Eurial. Les gens sont arrivés tous d'un coup en fait, il y en a plusieurs centaines, au moins.
Ah, tu avances vite, hein. Putain, on va arriver vite. Des gens, comme tu vois, nous rejoignent à chaque rue, tu vois, alors les gens qui viennent d'arriver par là. À chaque carrefour, la foule se gonfle un peu plus. Vous êtes plus sur le chat, il y a moyen que vous soyez plus sur le chat que dans la manif, j'avoue. Mais c'est compréhensible, hein. Allez, hop, on y va. Merci pour ton travail. Oh, on adore. C'est gentil. Salut. Salut. Merci pour tout ce que tu fais, on te suit, on te regarde. C'est gentil. Merci. Pas ma foi, merci de continuer aussi. Parce que franchement. Ah, aussi. Vous êtes peut-être pas du coup. De où? De Bretagne. Ok, ouais, c'est un petit bout. Ouais. Bah voilà, bah la même pour moi. Voilà, je suis arrivé mercredi, puis je repars, je sais même pas quand, tu vois. Je vais voir lundi, mardi. Ouais, voilà. Ah, du coup, vous avez tous vos matos là, sans ouais, vous, toute ouais, votre vie dans votre dos. Ah, trop bien. Eh bien, bonne manif à tous les deux. Merci. Tu peux, vous pouvez même dire, regardez là, je suis pas tout seul, on est, bah, vous êtes normalement de ce côté-là, habituellement. Yes. Vous pouvez dire bonjour aux internautes. Bonjour aux internautes. Allez, bonne manif à vous. Merci. À plus tard. Ils sont trop mignons. Joli dessin. Ah mais putain. J'avais même pas vu, j'ai vu ton dessin d'abord. Salut. Ça va? Mais oui, ça va un petit moment. Ouais. Alors qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Vous n'aurez rien à faire d'autre que de risquer vos yeux. Bah non, c'est la convergence des luttes. Hein. Bah oui. Vous étiez, j'imagine, le 5. Ouais, ouais, bien sûr. Et alors, comment t'as vécu la chose? Parce qu'on était tous, on a vécu les choses différentes. Hein. Eh bien, nous, on est arrivés le matin, enfin un petit peu avant le déjeuner à Gare du Nord. Ouais. On est resté bloqué genre une heure et demie, on était vraiment au milieu de cortège, on comprenait pas pourquoi on démarrait pas. À un moment donné, un mec nous a dit qu'il avait regardé BFM et qu'il y avait de la castagne à République et que c'est pour ça qu'on était tous bloqués. Du coup, on s'est dit qu'on allait contourner République. Quai de Valmy, tout ça. Comment? T'as été sur le quai de Valmy comme les autres? Ouais, c'est ça, allongé le quai de Valmy. Il y avait quelques personnes qui ont fait ça comme nous. En passant, on a vu que tout le début du cortège était vraiment nassé par la police. Et on y était, les nous, gens là, pouvaient pas sortir, ouais, en fait. Ouais. Et voilà, en fait, il aurait fallu faire vraiment demi-tour. Mais on a pu sortir, hein. On a fini par réussir à sortir et à continuer à Nation. Ouais. Vous avez réussi à arriver jusqu'à Nation? Nous, on est arrivé jusqu'à Nation. Mais en fait, il n'y avait pas grand monde, il faisait déjà nuit. On est arrivé avant que le cortège rejoigne et on est parti plus tôt. Okay. Voilà. Bah, ils ont réussi à de nouveau encore diviser, mais là, peu importe, il y avait vraiment du monde. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est cool. Voilà. Bon, même si là, malheureusement, tu peux voir, oh, je crois qu'on est. Tout à l'heure, que nous me disait qu'on était plus nombreux sur le chat que dans la manif. Est-ce que c'est vrai, à ton avis? Ils sont 1500. Je ne crois pas qu'on soit 1500. Peut-être qu'on est un peu moins de 1000. Ouais. C'est dommage. Mais est-ce que c'est juste dommage ou alors on aura une critique à faire? Parce que moi, je me dis peut-être que c'est la peur, à force de se faire défoncer la gueule. Peut-être qu'on n'a pas assez communiqué pendant la manifestation du 5, qu'il y avait ça le 7. On n'est pas trop dans la communication, tu vois. Oui, c'est vrai. Moi, je regarde les ou alors les boosts pour voir où aller, tu vois. Il y a plein de gens qui n'habitent pas sur Paris même, aussi, qui ne peuvent pas bouger. Bah non, on marche à chaque fois 1h30, 2h pour aller ouais, en ouais. Ouais, pareil pour moi. Je dormais à la Villette, en fait. Donc, tu vois, jusqu'ici, c'est pas très loin, mais 8 heures, quoi. Ils vont partir quand? Ah non, on habite à Paris. Ah oui, t'habites à Paris? Ah oui. Ah oui, c'est vrai, je ne savais plus à où est-ce que vous habitiez. Ok, d'accord. Bah parfait. On y retourne. Ah là 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 là. En tout cas, ça fait du bien qu'il fasse beau, parce que ce matin, ou hier, oh là là.
le bordel. Vous ne voyez pas des polices me faire matraquer par la police sous la pluie, tu vois, c'est un peu triste. Hein. C'était aussi des excuses pour un départ. Mais bon. Ça dissout les gaz là. C'est vrai, là du coup c'est peut-être les conditions idéales pour vivre des moments intenses. Voilà, c'est ça. Non, il y a pas beaucoup de vent, ça restera sur eux. Non, ça devrait bien se passer, je pense. C'est déclaré. Bon, ça veut pas dire que quand c'est déclaré que ça se passera bien, on le sait bien. Mais vu la tête des flics, bon, ça a l'air de... Ils ont pas eu encore l'ordre de bordel. Oui, il n'y a pas l'air d'avoir tellement de fauteurs de troubles non plus ici. Non. Du coup, il n'y aura pas de provocation. Il y a quelques esprits excités devant, mais c'est que du bruit. Hein. Et c'est... Bah, puis après, ça s'explique aussi. Hein. Donc ça devrait pas se faire. Ah bah là, on est surencadré, on le voit. Mais tu vois, sur la gauche, les flics n'ont pas de casque. Et alors de ce côté-là, ils ont des casques et les masques. Parce que c'est les CRS qui sont à droite et à gauche, je sais pas si c'est... Bah c'est les CRS aussi, ah, je crois. C'est les CRS aussi. Ah ouais. C'est les CRS aussi. C'est pas... c'est les mêmes et pourtant, à droite... C'est les CRS qui touchent. À gauche, ils sont cool. Le mec m'a même parlé, tu vois. Et à droite, ils sont prêts à la baston, là, regarde. Tout ce qu'il faut. On peut même pas voir un visage. Ouais. Belle illustration. Et du coup, j'ai eu une indication que mardi, il y aurait une grosse manif à Paris, c'est vrai? C'est ce qu'ils ont l'air de dire, parce qu'il y a pas mal de syndicats qui ont reporté la grève jusqu'à mardi, en fait. Ouais. Et du coup, je sais pas, j'imagine que c'est ce pourquoi et c'est pour mardi peut-être, peut-être pour renouveler de nouveau la grève. Je sais pas trop dans les syndicats. C'est pas, non, ouais, ok. On espère que ça va durer, en tout cas, la grève. Ouais, j'ai vu sur internet que mardi c'était une date. Ouais, moi je vais la faire plutôt à Lyon, je pense, cette date-là, parce que c'est dans toutes les villes de France en fait, je crois, c'est une manifestation. Bon, bah du coup, bonne manif, et puis on s'en verra sans doute, vu qu'on n'est pas à 1 000 000 aujourd'hui, mais on est là, voilà. À plus tard alors, hein. Salut. Alors. Ah merde, j'avais pas vu que ça meurt. Il y avait la caméra dans l'autre sens. Voilà. On marque une pause apparemment. Bon. Excusez-moi. Ouh, un jouet. En chaise roulante. Regardez comment c'est magnifique. Bonjour. T'es toujours là, hein? Ouais, mais putain. Je tourne en France un peu partout. Ouais, je t'ai vu plusieurs fois. Ouais. Ça va la forme aujourd'hui? Ouais, ça va. Cool. Dis-moi. Si vous pouvez m'inviter sur Facebook et me dire où est-ce qu'il y a des actes 57 la semaine prochaine, comme ça j'ai envie de me déplacer. Bah, tu vas te déplacer comment? Parce que tu sais, il n'y a plus de train quasiment. Enfin, tu vas en trouver un ou en covoite? Les bus? Ah oui, les bus, quoi, c'est vrai. Ouais. Et bien, dès que je la réponds, je viens te revoir. Du coup, on est en train de voir là. Attendez, je vous dis, ouais. Mon nom sur Facebook, c'est Pierre-Frédéric Zieba, Z-I-E-B-A. Zieba Pierre-Frédéric, et je porte une coupe, qui est la coupe de la Ligue de l'OM. Ok. Ne croyez pas que j'ai gagné une coupe. Donc l'appel est lancé, donc si il y a un rendez-vous en France samedi prochain, t'as envie d'être invité, t'as envie d'y aller quoi. Voilà. Ok. Ouais. Ok, bah elle t'enverra des messages. Merci. Bonne manif à toi. Salut. Regarde, trop fort. Comment tu vas? Très bien. Dis bonjour aux internautes. Coucou. Ah, j'aime beaucoup ce slogan. Alors, parisien, du coup, comme ça, t'arrives... Banlieusard. Ouais. Banlieusard, grand banlieusard.
Et du coup, comment t'as fait pour venir? Voiture. Ouais. On s'est garé à l'enfer Rochereau. Ouais. Et puis on a remonté le parcours à l'envers. Voilà. Et tu étais retrouvé. L'avantage, c'est que... Et tu viens de mettre ton gilet là, donc tu viens d'arriver. Là, je t'en fous. Voilà. Ouais. Non, mais j'ai remarqué qu'à chaque carrefour, des gens nous rejoignaient. C'est ça le problème des grèves. Hein. Bah oui. Assumer, quoi. Bah oui. Le problème est aussi, quelque part, ça change l'expérience de la ville. Hein. Exactement. Voilà. Je peux dire que jeudi, par exemple, c'était un vrai plaisir que de venir. Aucun embouteillage, ouais. La passe partout. Après, on n'a rien fait dans la manif, nous on a avancé 300 mètres et puis bon, c'était trop. Il y avait trop de monde. Bah oui, oui, c'est vrai. Mais bien sûr que j'étais, bien sûr. Ouais. Depuis mercredi que je suis là. D'accord. Et je repars soit demain, soit lundi, je verrai. Si t'as un TGV. Si j'ai un TGV, je crois pas que j'en aurai, je vais miser sur autre chose. Ouais. Il y a de la car ou autre chose. Bah je crois que je vais prendre une espèce de bus ou peut-être faire du stop, je verrai bien. Ah ouais. Oh, ouais, j'ai un peu de temps ce jour-là, tant que j'arrive avant mardi, parce que mardi, tu sais, les grosses manifs qu'on commence. Il y a encore une manif, ouais. Mais il y en aura d'autres, les autres villes, je pense. J'aimerais bien aller à Lyon. Ouais. Être plus près de chez moi. Et voilà. Ah, on va à gauche. Ah là, on va faire des petites filles là. Génial. Mais c'est le parcours déclaré. Donc, c'est le parcours déclaré. Ouais. On va filmer en même temps. Hop là. Parce que maintenant tout va bien. Hein. Les policiers sont souriants sur la gauche un petit peu. Le c'est soleil est là, bien. Voilà. Ça marche. Eh ben, bonne marche pour toi. On se recroise plus tard. Ah, stop. Ah, c'est sympa de croiser des gens en vrai. C'est sympa, vraiment, je le répète, mais c'est cool. Ah, on s'arrête un petit peu là. C'est la nasse là. Mais c'est déclaré, c'est censé. Oh, c'est censé. Mais ouais, c'est vrai que ça donne pas envie d'y aller. On passe par un cubier quand même. Attends, il y a ça pas de quoi mettre sans personne. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, ça. Allez. Allez, on y va. Attends, on va aller faire galérer un peu. Attends, c'est 19h, hein, c'est pas 18h. Hein. Ah, si le Tesla, on va arriver dans 2 minutes, quoi. Ah, ça va hyper vite. Allô. Ah, il est là, lui aussi. Marie. Bon, vas-y. Hey, c'est toi. Ah non, c'est dans ces rues-là, ça sert à rien. Hein. Bon, ça se passe bien chez vous, là hein. C'est pas le guide touristique, je suis pas d'accord. Allez, bon, on y va. On se connaît? Non, tu ne me connais pas. Je regarde tes vidéos. Ah oui, d'accord. Et du coup, on se connaît un petit peu. Moi, plus que toi. Je t'appelle comment? Marjorie. Enchanté. Génial pour ma part. Voilà. Ah, mais il y a plein de gens qui ne savent pas, ils pensent que c'est 1000. C'est 10 000. Ah, peut-être qu'ils ne savaient pas. Tu savais, ok. Voilà, c'est ça. Pour chercher le monde, tu vois. Super. Alors que David ou Jean-Luc, c'est quand même plus facile. Voilà, c'est ouais, ça. Ben non, c'est ça. C'est ça. David, c'est dit, on prononce le mal. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que je vais apprendre moi-même, exactement. T'es manifestante, t'es journaliste, tu fais quoi? Non, manifestante. Okay. Parisienne. Ouais. Cool. Ça fait plaisir de voir cette ambiance là. Ouais, ça change. T'étais là, enfin, il y a deux jours dans la grosse manif. Oui, ouais. Bah oui. Ça restait au bout. Ouais. Ouais. Pas au bout. Bah, bien sûr, quoi. Partie, quoi. Oui, oui, oui. C'est clair, ouais. On va aller. Grand début. Parce qu'on est allé quand même. On a mis plusieurs heures. D'arriver déjà à 2h, 2h30 pour arriver à République. Et après, pour arriver à Nation, au quart de manche, et sur Nation, c'était un peu électrique. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Mais bon, manque à la République, et puis moins qu'en général. Ouais. Ils ne pouvaient pas réprimer une population, enfin une foule aussi dingue. Ouais, non, ils ne voyaient rien, ils sont mis au milieu, là. Ils sont ouais, plus ouais, ouais. C'est vrai. Ouais, oh, c'était cool, c'était cool. Ouais, ouais. Ah, bah là-bas, il y a l'air d'avoir des petits qui nous attendent pour bien contrôler le... Ah, mais là, on est sur le chemin... officiel. Mais ça ne veut rien dire. T'as fait des manifs, j'imagine, déclarés qu'on va le tourner quand même. Oui, voilà, on le souhaite pas, on le souhaite pas. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ah, il y avait un doute, ok. Sinon, c'est cher. C'est là l'addiction au gaz. Oui, c'est vrai qu'on a besoin de donner notre dose, une dose de gaz. Bon, bah, bonne suite, bonne marche. À plus tard, peut-être.
Salut. Alors, allons voir ailleurs. Je vous le dis pas assez, mes chers internautes, mais vous êtes beaux et belles et je vous aime fort, vraiment. Je vous regarde quand même, que je vous le dis. Je vous aime vraiment, vraiment. Bonjour, ça va? Comment bien? Mais bien! Ouais, dis bonjour à Internet! Je suis le premier Craig Midi Show de France! Merveilleux! Pour un donneur! Eh ben t'es le premier, t'es le meilleur! Rien. Ouais. Je suis occupé de tout! Ouais. Et depuis de la terre, il y a tout! T'as tout ce qu'il faut derrière là? Ouais. Génial, bien ouais, super! Hein. Bah, j'espère que t'en auras pas besoin aujourd'hui! Hein. Ouais, j'espère que ça se passera bien! Allez, il faut! Mais ouais! C'est essentiel! C'est essentiel! Merci à toi mec, merci beaucoup. Merci, c'est normal. Merci beaucoup. Oh, c'est un honneur. On lâche rien. Ah, c'est des belles personnes. Hop là. Attends, on n'avance pas de course quoi. Il y a un petit peu de matériel à droite, faut pas que ça... C'est bizarre qu'il y ait ce truc qui n'a pas été enlevé alors qu'on était censé passer par là. Ah, salut les Vosges! Mes Vosges d'amour! Je suis Vosgien si vous savez pas. Hein. De gens des Vosges, c'est cool. Moi j'ai vécu à non, alors en Lorraine la dernière fois, c'était à Nancy déjà avant, jusqu'en 2015, et avant ça dans les Vosges, moi je suis né à Épinal et j'ai vécu pas mal de temps à Vittel et autour, les plaines. C'est vraiment bizarre, un parcours déclaré avec vraiment quelque chose de sérieux, d'officiel, et des voitures stationnées sur un parcours déclaré. C'est vraiment bizarre.
être plus visible parce qu'on arrive donc de ce côté-là, derrière, il y a le jardin des plantes. Et là, c'est le quartier latin. On arrive vers le quartier latin. Où on y est, je sais plus trop, mais bref, c'est le quartier latin. Et il y a du monde là. C'est le centre de Paris. Si quelqu'un peut remettre un pouce bleu, ça serait sympa pour qu'on n'ait pas 666. Merci. Ouais, ils vont trop vite. Merci. Ah bah on est passé de 666 à 713, bah c'est gentil. D'un coup. On stoppe un peu pour qu'on remplisse la place. On fait une pause les amis, on est fatigués. Comment ça s'appelle ta ville toi? Comment? Ta ville elle s'appelle comment? Gaillard, à côté de Genève, Gaillard. Voilà, mets-toi devant. Pourquoi? Parce que, Non, je veux... qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas crier? Oh non, t'inquiète, personne connaît. Y'a que moi de là-bas. C'est gentil. Y'a une dame, elle est de Besançon. Ouais, voilà, Besançon, c'est un peu plus grand. Et on a gueulé Besançon. Ah, trop bien. Donc, ben, toi, Gaillard. Gaillard, tu sais, on va pas comprendre que c'est une ville. Mais c'est gentil. On va arriver pas loin de la place où Benalla a tapé sur un manifestant le 1er mai l'année dernière. On va passer sur la contrescarpe, ça se trouve. Yeah!
les armes, c'est pas que des armes physiques, hein, ça peut aussi être des mots, des idées, des souris et tout ça. Et la grève, par exemple, c'est une arme de défense, de lutte. Merci le média pour le travail. Parce qu'on vous voit, je vous permets de vous déranger deux secondes, on vous voit sur YouTube, mais on vous voit sur le terrain. Ah bah écoutez, voilà. Voilà, la mise en abîme parfaite. Non, merci. Le petit coup de bonbon. Oui. Exactement, on adore ce programme. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Journaliste sur le média et qui, tu vois, filme ses images et les monte et écrit et fait tout hein, son programme. Ah, bah, comme moi en fait, tu vois. Enfin, plutôt moi comme lui. Allez voir le petit coup de bourbon. Pardon, madame. Sur le média TV, sur YouTube, c'est vraiment bien. Alors, oui, il a pas le même matos que moi. Hein. Là, tu vois pas, mais moi j'ai juste mon smartphone. Mais bon, les reporters, lui, c'est pas du direct. Il va faire du montage ensuite. Quand moi je fais des reportages, j'utilise un matériel un peu plus sophistiqué aussi, mais pas à ce point-là. Allez, on y retourne. C'est trop fort, je veux me faire un selfie.
C'était trop tentant, je suis désolé. Ouais, parce que je suis sur une poubelle. Il y a vraiment de plus en plus de monde. De toute façon, la moindre personne aujourd'hui qui sort dans les rues en France un samedi en jaune, c'est une héroïne, un héros. Hein. C'est avec les risques et la peur qui gagne tout le monde, c'est vraiment des héros. Je sais pas c'est quelle rue celle-là. On arrive sur la rue qui donne sur la place de la Contrescarpe. De mémoire, c'est ça. Juste au bout de la rue, là, pile en face, juste là, là, c'est le jardin des plantes. Donc derrière, c'est le quartier latin et la place de la Contrescarpe. Il y a tout, tu vois. J'ai croisé des retraités, des étudiants. Là, bah, du coup, il y a des antifascistes. Il y a des syndiqués, des non-syndiqués, des citoyens. Enfin, il y a vraiment une population très diverse qui ont le même dénominateur commun : la justice climatique, la justice sociale. Voilà, la liberté, la dignité de vie, la retraite, tout ça, le travail. Franchement, je suis content. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, au tête de pont. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, au tête de pont. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, au tête de pont. On vient te chercher chez toi. Juste pour ça, c'est trop cool. Emmanuel Macron, au tête de con.
monsieur là, il a gagné le concours de la plus grande perche. Ah, c'est beau. Ah, que c'est beau. Bon, ça repart. Je reste un petit peu là pour voir le monde qui passe. Vous êtes combien? Bon, ben là, je te dirais 2000. Allez, à Jundé. Merci à toi, c'est cool. Oh, trop bien, super. On me caresse les pieds, c'est gentil. Bon, je vais descendre. Ah non, il y a encore du monde très loin là-bas. Bon, bah, il y a du monde. Comptez, comptez. On est presque à Contrescarpe, quartier latin. Les gens qui arrivent du coup découvrent seulement ce que le monsieur qui habite là a mis sur la façade. La foule toujours continue à affluer, moi je vais descendre. Et hop. Et je vais rejoindre le tête de cortège. Est-ce qu'on va passer place de la Contrescarpe? J'en sais rien. Alors on est rue de la Clé, puis la Cépède. Ok, voilà. Dans le 5e. Hop là, pardon. Eh ben non, du coup on va pas à place de la Contrescarpe. C'est tout droit, la place de la Contrescarpe. Et nous on va à gauche. On est rue Monge. Non, 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 on n'est pas 5000. Honnêtement, j'aimerais, mais... Là, moi, j'ai pas vu ça. Mais ça peut arriver. Les gens font que d'affluer. Ça peut le faire. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous! Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! Pour moi, je devais sourire. Tu sais, moi, c'est vrai, là. Ma mère, vas-y, taille. Vas-y, taille, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour nous encadrer. Thank you.
Je prends des risques pour vous, hein. Allez, je descends. Et je cours par là-bas. On doit être plusieurs milliers maintenant éventuellement. La nouvelle devise de la France. On va dire quoi ? Thank you.
On est sur l'avenue des Gobelins, alors on arrive au début de l'avenue des Gobelins. Il y a Maya qui est toujours là, avec sa couronne de fleurs. CNews ici, nos amis de chez CNews. Courage à eux, hein. Mais la, les gobelins, ça arrive pas sur la place d'Italie, ça, normalement. Bon, c'est calme. Regardons-nous un petit peu. C'est chaud en plus. Alors comment ça va de l'autre côté? Il fait chaud, hein, non? Ouais, vraiment, hein. J'avais l'écharpe, le bonnet, j'ai tout laissé tomber, mais là il y a même un peu de trop. Ah. On va déjà sans soleil, je ne vois pas mes yeux, alors j'ai plus rien. Tiens, si on arrivait à 1000 pouces bleus, c'est inutile comme comme revendication. Mais pourquoi pas, c'est atteignable dans l'immédiat. Non, j'ai pas fumé. Enfin, pas aujourd'hui. Ok. On s'arrête un peu là. Hey, salut Anmas. Ouais, je veux quand même que je puisse vous dire bonjour une fois toutes les demi-heures, par politesse. C'est impoli quand même de se reparler sans se regarder dans les yeux.
ça a bugué, mais ça revient. Nous plaignons pas, on a fait plus de 2 heures sans bug, hein. C'est cool. Donc c'est reparti. Mon royaume pour un verre d'eau. Ouais, j'ai perdu ma gourde, elle a fait toutes les manifs, hein, cette gourde. Hein. Je l'ai perdue en manif.